Quand je travaillais avec les enfants, j'étais donc exactement dans l'empathie. Je vous donne la définition qu'en donne Alain Berthoz. Il dit, et c'est très important, le secret de l'empathie ne réside pas seulement dans la capacité de simuler mentalement les actions de l'autre ou d'en éprouver les émotions. Il exige cette capacité de point de vue, en gardant tout le temps le sentiment d'être soi-même. Et il ajoute, il semble que nous ayons devant nous un curieux processus de dynamique d'interaction vécue qui exige simultanément d'être soi et un autre, de se vivre soi-même et en même temps d'échapper à un point de vue égocentré pour adopter un point de vue hétérocentré.呢、这個概念同理心個概念啦，其實係係一個定義。我定義佢咧，就係、是、同理心嘅秘密咧，其實喺喺心理上邊咧，係模仿他人嘅行為，同埋要體現佢個本身嘅情感呢、这個能力。咁呢個咧，需要喺保持自我意識嘅同時咧，又要可以改變觀點呢、这個能力。咁、我哋我哋面前有一个有趣嘅、充满活力嘅、有生命力嘅呢个互动过程，但呢个过程当中咧，你系你自己啦，一个人啦，但同时又系另一个自己，另一个人，咁你系要从自己个自我中心嗰个度逃脱出嚟，跟住要进入一个另外一个人嘅佢个中心嗰度。去改變，即係喺需要喺呢個保持自我意識嘅同時咧，要可以改變觀點嘅能力。Pour comprendre tout le pouvoir de l'empathie, il faut aller encore plus loin avec Tisseron, qui parle de, qui reconnaît à l'empathie deux conditions extrêmement importantes. Premièrement, le désir de faire taire l'emprise sur l'autre, qui, on l'a vu bien sûr, est l'attitude qui est donnée comme allant de soi entre les adultes et les enfants. Et deuxièmement, faire taire, oh là 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 là, c'est accepter d'être changé dans cette relation. 同理心咧，完全個同理心佢有一個主要障礙咧，即係話喺雙重認知同埋關係方面咧，對於環境佢係有個強烈嘅控制欲，咁咧由此可以產生被由此產生嘅被覺得被他人嘅情緒侵擾同埋控制嗰種痛苦，咁我哋對他人的情感敏感那個秘訣咧，仲喺度放在於放棄對於嗰個自己的同類或者同伴嗰個控制，並且咧幫助他哋了解，即係佢個接受，佢可以幫助我哋自己了解我哋自己。L'empathie, comme la comprend Tisseron, permet donc au changement d'advenir. Et je me rends compte que c'est cette empathie que j'ai tissé avec les enfants tout au long des 40 dernières années, qui a permis à mon écriture de tellement changer au fil de ces 40 années. 同理心呢種喺同理心入邊咧，我認識到咧係接觸點樣去接觸孩子嗰個方法。呢個係我四十幾年以嚟發展出嚟嘅一種方法啦。咁就係我喺嗰個工作方式咧，係通過兒童進行，咁樣可以驗證呢個工作方式。嗰個驗證工作咧，可以得到確認，同埋或者唔確認。